Alors, entre la feuille de route israélienne pour un cessez-le-feu présenté par le président américain Joe Biden et les bombardements israéliens également à Gaza, la situation a-t-elle réellement évolué? Alors, on va dire qu'en fait, le militaire, le politique et voire l'humanitaire sont totalement imbriqués et que jusqu'à présent, quand même, la situation sur le terrain militaire influence énormément quand même ce qui se passe au niveau politique. Maintenant, pour parler en tant que tel, tout le monde reste en effet quand même prudent quoi sur ce qui peut se passer. C'est pour ça que la situation militaire reste importante. Le Hamas, ça a été rappelé aujourd'hui notamment par le ministre égyptien des Affaires étrangères, a donc accueilli positivement la proposition, mais le mouvement et toutes les autres factions d'ailleurs qui ont été consultées demandent le document écrit avec toutes les déclarations faites par Biden et une déclaration supplémentaire sur des garanties américaines engageant Washington à obliger Israël à respecter les engagements qui seraient ainsi approuvés par les deux parties. N'oublions pas que le fait même que ce soit le président Biden qui ait présenté ce plan qui est dit avoir été concocté par les Israéliens est censé marquer la volonté des États-Unis de s'engager à ce que le plan soit respecté, non seulement de la part bien sûr du Hamas, mais surtout de la part de la puissance occupante israélienne. Le Hamas exige également que toutes les clauses qui seront dans cet accord ne comportent aucune ambiguïté, notamment concernant le cessez-le-feu. Et côté israélien, c'est bien là qu'il y a véritablement quand même une ambiguïté totale. C'est que tout en disant que cette proposition est venue de la partie israélienne, en même temps, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré au chef de la diplomatie américaine qu'Israël n'arrêterait pas ses opérations militaires tant que les prisonniers israéliens n'auraient pas été libérés. Et il a ajouté également que le gouvernement travaillait un plan pour installer dans la bande de Gaza un gouvernement alternatif au Hamas, qui risque aussi d'être une question qui peut brouiller les cartes. En tout cas, face à l'ambiguïté de la position israélienne, le Hamas réaffirme, comme vous l'avez déjà dit, que l'arrêt des opérations militaires et le retrait de l'armée israélienne reste la condition préalable à toute signature d'un accord. Ajoutons enfin que les discussions sont également liées au contrôle du poste frontalier de Rafah. Le Hamas, donc, qui est actuellement donc sous contrôle israélien, et le Hamas et l'autorité nationale palestinienne rejettent toute présence israélienne, et de même que l'Égypte, bien sûr, qui demande le retrait israélien de toute la ligne frontalière. Et c'est justement à ce point, poste frontalier de Rafah, que l'on voit combien le militaire, le politique et l'humanitaire sont liés, puisque c'est à ce poste frontalier qui avait été transformé en point de transit pour l'aide humanitaire que passait jusqu'au début mai la majorité de l'aide humanitaire, même en faible quantité, pour aller dans toute la bande de Gaza qui est actuellement pratiquement privée de toute aide extérieure. Merci encore à vous Valérie Ferrand. Je rappelle donc que vous êtes correspondante de Média TV Al-Khos et vous reveniez avec nous sur la situation à Gaza.